Bonjour, moi c'est Gaïa. Découvrons ensemble les plantes médicinales. Il y a tant de plantes à te faire découvrir. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la verveine officinale. Son autre petit nom, Verbena officinalis. C'est très chantant, si joli. Elle est relaxante musculaire et décontractante. Mais suis-moi, nous allons dans mon bureau et je vais tout expliquer sur elle. Je suis de nouveau présente. Ah, vous aussi. Alors découvrons maintenant au quotidien comment la verveine officinale peut vous accompagner. Suivez-moi. Quelle journée difficile. J'ai mal au cou et mes épaules me font souffrir. Je ressens toujours cette tension nerveuse et musculaire après ma journée de travail. Et puis, oh là là, je sens que mon crâne va exploser. Une grosse migraine survient. Oh, que c'est difficile. J'ai hâte de rentrer chez moi. Ton repas était délicieux, ma chérie. Par contre, toi, tu n'as pas l'air d'être très en forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Je me sens toute barbouillée. J'ai dû trop manger. J'ai du mal à digérer. Allez, pas d'alcool et pas de cigarette. Tu peux le faire. On tient. On est en plein sevrage. On va pas tout louper maintenant. J'ai chaud tout le temps. On dirait que j'ai un volcan en moi. Assez chaud tout le temps. Du matin jusqu'au soir, je transpire. Quoi? Comment ça, la ménopause? La quoi? Ah, vous voilà. Est-ce plus clair? La verveine va vous accompagner lorsque vous aurez de fortes tensions nerveuses et musculaires au niveau du cou et des épaules. Elle soulagera même les migraines, celles que vous avez dues à vos tensions. Elle peut vous aider à stimuler une meilleure digestion. Et c'est un accompagnant lorsque vous êtes en plein sevrage, parce que son goût est tellement amer que son amertume vous bloquera l'envie de fumer ou de boire. Et grâce à son énergie refroidissante, elle va nous accompagner pendant notre ménopause. Quel bonheur! Allez, à très vite!